Vous devez être avec nous. J'ai ramassé un œil, un pied. Ça fait combien de temps que tu bosses dans ce milieu? Oh là, moi ça fait plus de 30 ans. Compter, ça ne résout pas les problèmes de santé. C'est très énervant d'être sous-payé, quoi. Ça se passe juste après la lutte des retraites, ouais. Ça se passe après les gilets jaunes, ça se passe aussi après la grande manifestation pour Adama Traoré. Donc là, je pense qu'il y a un peuple qui est en train de se lever par portions, et ce qu'il faut maintenant, c'est organiser l'unité. Je suis conducteur de train à la SNCF. Futur élève en médecine. Charpentier couvreur. Je suis rhumatologue, médecin hospitalier. Moi, je suis plombier, moi. Je suis patronne. Moi, je suis au ministère des Finances. Moi, je travaille dans une banque. Et moi, assistante RH. Oh, un milieu violent. Aujourd'hui, oui, on se doit d'être là. De la Covid-19. La Covid-19. Et c'est l'Académie française qui dit ça. Alors moi, j'ai fait un gros effort sur moi-même pour le dire. On n'oubliera jamais tous les yeux crevés, les mains arrachées. Soigner les gens, c'est pas l'hôpital entreprise qui va y répondre. On n'est pas sur des valeurs comptables, on est sur des valeurs humaines. C'est passé à ça, regarde la film là. Il est passé derrière toi. Que l'État fasse son travail, sinon le peuple viendra faire le travail à la place de l'État. On n'était pas violents à l'origine, c'est toi qui nous a rendus violents. Ouais, on n'a pas le Covid, on a la rage, Macron.